Non, mais vous êtes complètement malade! Faites nos amitiés à monsieur votre mari. Ah, ça alors, ils sont gonflés. Tout va comme vous voulez? Oui, tout va bien. Bonjour, monsieur Capigliari, mon mari vous attend. Vous savez où le trouver? Oui, oui, je connais le chemin. Bonjour. Cela me paraît un peu imprudent de faire ça sans gants. Monsieur von Bernheim. Ah, bonjour, monsieur Capigliari. Bonjour. Qu'est-ce que vous me disiez? Je me demandais si ce n'était pas un peu imprudent de souder sans gants. Oh, j'ai l'habitude, vous savez. J'ai reçu votre guéridon. Ah, excellent. Merci, merci, merci. À propos, qui étaient ces gens que j'ai croisés en arrivant? Ah, ces types, des voyous, je leur ai dit de déguerpir en vitesse. Vous voulez que je vous l'emballe? Non, 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 c'est inutile. Eh bien, au revoir, monsieur von Bernheim, au revoir. On vous envoie la facture? Non, quel étourdi je suis. Oui, bien sûr, je vous réglerai rapidement. Au revoir. Hermine? Hermine? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je peux? Mais qu'est-ce que c'est? Un plateau de service qui peut aussi faire office de petite table. Vous voyez? Si elle est aussi chère qu'elle le paraît, je vous dis tout de suite qu'elle n'est pas dans nos moyens. Qu'est-ce qui n'est pas dans nos moyens? Cette chose. Excusez-moi, mais en faisant le ménage, je suis tombée par hasard sur vos derniers relevés de compte. Hermine, combien de fois faudra-t-il vous répéter de ne pas fouiller dans mes papiers? Oui, mais la situation n'est pas brillante. Tenez, la preuve. Hermine, rassurez-vous, chez moi, on ne meurt pas de faim. Hein? Devenu fou! En tout cas, tu peux être sûr que je ne plaisante pas. Je t'ai dit que je n'avais pas d'argent! Bizarrement, pour jouer au casino, tu en as. Tu me prends pour un idiot, quoi? Je te donne jusqu'à dimanche, après c'est terminé. Pigé! Mais comment veux-tu que je fasse? Je m'en fous, débrouille-toi. En tout cas, monsieur votre père ne veut pas d'un guériton de ce genre. Qu'est-ce qui l'intéresserait? Un Canterbury, voilà ce qui lui plairait. Un quoi? Un Canterbury? Ah oui, un porte-journaux. Oui, le même que possédait votre pauvre tante Elisabeth. Que Dieu la garde.
Impossible de savoir où il est passé, ça n'a rien d'étonnant depuis qu'on m'interdit de vivre dans cette maison. Mais enfin, Hermine, vous le savez, je n'y verrai aucun inconvénient, au contraire. Mais que diraient les voisins d'une charmante dame vivant seule sous le même toit qu'un vieux célibataire? Oh, vous exagérez, monsieur le professeur. En tout cas, j'aurais mis ma tête à couper qu'il avait envie d'un guéridon de ce genre. Souvenez-vous, on lui en a déjà offert un pour ses 75 ans. Bon, je l'ignorais. Alors il ne me reste plus qu'à l'échanger. J'espère que l'antiquaire est toujours ouvert. Et dorénavant, je vous interdis de toucher à mes relevés de compte, c'est compris? Je suis tombée dessus par hasard. Ce n'est pas ma faute. Je suis persuadée qu'il continuera à te harceler. Que veux-tu que je fasse? Que je le tue, c'est ça? Je n'en sais rien, moi. À toi d'y réfléchir, tu as suffisamment d'imagination quand il s'agit de t'endetter. Et les voyous que tu fréquentes, vraiment. Oh, mais tu ne te rends pas compte dans quelle galère tu t'es embarqué. Il veut l'argent dimanche prochain. Mais pendant combien de temps vas-tu encore continuer à le payer? Il ne cessera jamais de te faire chanter. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Bonjour. Vous avez oublié quelque chose? Non, je vous dérange. Je souhaiterais changer le guéridon, s'il vous plaît. Il ne vous plaît pas? Non, 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 ce n'est pas ça. Mon père voudrait un porte-journaux, ce qu'on appelle un Canterbury. Un Canterbury? Je suis désolé, vraiment. Dis-moi, Joseph, avons-nous un Canterbury? Qu'y a-t-il? Je suis malheureusement obligé d'échanger le guéridon. Je souhaiterais un porte-journaux à la place. Je suis désolé, mais nous n'en avons pas pour le moment. La semaine prochaine. Oui, oui, bah, il n'y a pas d'urgence. C'est dommage. Vous vous êtes déplacé pour rien. Non, 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 ça ne fait rien. Je reviendrai la semaine prochaine. Julianne, tu vois qui c'est? Eh bien, elle prétend qu'il y a des vols dans la maison de retraite, alors que c'est elle qui ne sait plus où elle met les choses. Résultat, elle cache toutes ses affaires. Alors, tu sais ce que j'ai fait? Non, maman. Je lui ai vraiment volé une de ses affaires. Sa moumou. Tu sais, ce faux chignon qu'elle s'épinglait sur le dessus, ça lui faisait une tête impossible. Je lui ai rendu service, non? C'est quoi ce livre posé sur le bureau? C'est pour votre séance de lecture. Crime et châtiment, ça fera décoratif. Et ça, en tout cas, la lampe, vous commencez par la retirer. Oui, ce n'est pas un problème. Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne veux aucune... Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans le gaz? Ce n'est pas dans son habitude que ton mari ne t'accompagne pas? Non, pas du tout. Il avait du travail, une restauration. Enfin, je crois. Oh, il travaille. Ça ne lui fera pas de mal. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne soit pas allé travailler au casino. Maman, il s'agit d'une commande importante. Bonjour, Frédéric. Oh, bonjour, Julianne. Tu vois, elle est bien mieux sans son chignon. Quand je pense à tout l'argent que j'ai investi dans votre boutique. Dieu merci, vous êtes mariée sous le régime maman, de la séparation. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Dis-moi plutôt de quoi on va nous parler ce soir. Je désire que la conférence commence. La conférence de ce soir sera sur crime et châtiment. Un sujet qui s'applique parfaitement à ton mari. Encore que le joueur serait plus adapté. Joseph, tu es là? Oui, entre. Bon, je vois. Je reviendrai dans 5 minutes. Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu veux une cigarette, Vera? Non, non, je te remercie. J'ai l'impression qu'il va y avoir de l'orage. Il vaudrait mieux que je rentre à la maison et tout de suite. Oui, vas-y, rentre. Je ne te retiens pas. Quand tu es dans cet état, on ne peut pas te parler, de toute façon. Le portrait craché de ton père. Le pauvre, que Dieu le garde. À dimanche prochain, maman. Mmh. Je t'adore. Porte-toi bien et rends son chignon à Julianne. Hein? Non.
cette affreuse chose dégoûtante. Je vais la brûler, oui. Stéphie. Mesdames, installez-vous. Soyez gentille de moi à retourner ma chaise, s'il vous plaît. Oh, maintenant, tu dégages. Je ne veux plus te voir ici, ça suffit. Non, toi, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Et le visage tout engourdi de sommeil, ils se précipitent tous à moitié épuisés, à moitié nus, de pièce en pièce et de bâtiment en bâtiment, jusqu'à l'escalier. À bout de souffle, les corps balbutient dans la cour. Rassemblement, rassemblement! Et les tambours battent. Mais il manque le drapeau. On crie « Cornette !» Des chevaux qui trépignent, des prières, des cris, des jurons. Cornette! Et une fois encore, cornette! Silence! La cavalerie approche dans un bruit de tonnerre. Et le drapeau n'est toujours pas là. Il passe des portes comme s'il avait le diable à ses trousses, comme si les murs étaient incandescents, comme si les escaliers étaient prêts à l'engloutir. Il surgit du bâtiment à toute vitesse. Dans ses bras, il porte le drapeau comme une pâle Ophélie évanouie. Et il se précipite à cheval, alors ce n'est qu'un cri. Il se propage sans résistance comme une vague, même parmi les siens. Le drapeau, à son tour, reprend ses esprits, et jamais il ne fut si majestueux. Et maintenant, tous le voient venir de loin et le reconnaissent, l'homme sans casque à l'uniforme clair, et ils reconnaissent le drapeau. Celui-ci se met à lancer des rayons. Et se déploie en une énorme flamme rouge, immédiatement suivie. Allez, dépêchez-vous, par ici, plus vite. De 16 sabres recoupés. Les étincelles qu'il lance sont un enchantement. Un véritable feu d'artifice. Eh bien, vous voyez, vous avez réussi à faire les courses alors que vous prétendiez que mon compte était à sec. Tenez, ce sont vos bretzels. Merci. Je viens d'apprendre une nouvelle affreuse. Vous savez, l'antiquaire, Joseph von Bernheim, il est mort, il a brûlé vif dans son atelier. Quand? C'est arrivé la nuit dernière. Ça alors? C'est le bouquet. Il y a deux bouteilles de gaz. Quelqu'un a dû essayer de faire des travaux de soudure au chalumeau. Mais malgré tout, il y a une forte odeur d'essence. De l'essence? Je vois. Ah oui, c'est une catastrophe terrible. C'était impressionnant, il y avait d'énormes flammes, ça éclairait tout le quartier. On est gâtés, voilà le renfort. Ah, bonjour messieurs. Bonjour. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est précisément ce que nos experts essaient de déterminer. Nous avons de fortes présomptions qu'il s'agisse d'un incendie volontaire. Ah. Est-ce que M. von Bernheim a trouvé la mort ici? Oui, c'est horrible. On l'a retrouvé à moitié calciné. Sa femme n'a pu l'identifier que grâce à l'alliance qu'on a retrouvée. Ah. Mon Dieu, c'est affreux. On sait où était Mme von Bernheim au moment de l'accident? Oui, à Garmisch, chez sa mère. Ah. Meulewald, vous voulez bien nous excuser? Ah, bien sûr, je vous en prie. Allez voir si on a encore besoin de nous. J'assistais à une réunion de l'association paysanne. Je suis passé par là en y allant, et je n'ai rien remarqué. Je crois même que Bernheim avait encore de la clientèle. Excusez-moi, de la clientèle, vous dites? Oui, c'était quand je me suis rendu à l'auberge où avait lieu ma réunion vers 20h30. Il y avait une voiture qui était garée là. Là, juste dans l'allée.
Elle était exactement à cet endroit. Mm-hmm. Quant à la marque, je crois que c'était une voiture étrangère, une Jeep de couleur sombre. Ah. Et son propriétaire? Je l'ai juste aperçu un court instant. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai d'abord pris pour Vernet. Mais il n'a jamais roulé dans ce genre d'engin. Vous l'avez dit à la police? Comment ça? Je croyais que vous étiez de la police. Non. Non, je les connais bien, mais je n'en fais pas partie. Ça veut dire qu'il faut que je leur raconte à nouveau toute cette salade et que je reprenne tout depuis le début? Bon, dépêche-toi, il faut qu'on s'en aille. Une minute, j'ai presque terminé. Il veut l'argent dimanche prochain. Je n'en sais rien. À toi d'y réfléchir, tu as suffisamment d'imagination quand il s'agit de t'endetter. Allô? C'est toi? Qu'est-ce que tu veux encore? Non, je ne l'ai pas. Où ça? Oui, j'y vais tout de suite, je vais voir. Calme-toi, calme-toi, je vais chercher. Il faut que je raccroche. Ah, Madame von Bernheim. Je suis vraiment navré que nous nous revoyions en de pareilles circonstances. Mes sincères condoléances. Je vous remercie. Enfin, comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas, il avait un travail important à terminer avec la lampe à souder, je crois. Il faisait pourtant toujours très attention. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas eu le temps de sortir de son atelier. Il a sans doute essayé de sauver certaines choses, et il a peut-être été enseveli par des planches, ou bien de vieux meubles, mais le résultat est là. Il ne s'en est pas sorti. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Très gentil. Hermine? Ah, Hermine, qu'y a-t-il à manger aujourd'hui? Vous avez une drôle de façon de traiter les dames. Vous filez et vous me laissez en plan. Oh, votre père a raison lorsqu'il dit que ce n'est pas ainsi que vous trouverez une femme. Oh, je suis désolé, Hermine, ça ne se reproduira plus. Il n'y a rien à déjeuner? Vous avez bien de la chance que je ne sois pas rancunière, professeur. Tenez. Quoi? Ah! Le taxi. 27 marques 90. Désolé, il n'y avait pas de bus. Hein? Alors, ce serait un accident? Oh, on n'en sait rien. Ce serait un incendie volontaire? Eh bien, la police n'en est pas tout à fait sûre. Moi, je dis que ce n'était pas un accident. Ce serait quoi, selon vous? Oh, ce ne serait pas nouveau. C'est évident, elle l'a tué pour encaisser l'assurance vie. Qui a tué qui? On pourrait savoir? Madame Bernheim a tué son mari. Vera von Bernheim était à Garmisch en compagnie de sa mère.
Vous êtes naïf. Elle l'a assommée dans la remise et ensuite elle est partie. Mais elle a allumé une bougie avant de partir. Celle-ci étant placée dans un récipient contenant un liquide inflammable, lorsque la bougie s'est consumée, la mèche y a mis le feu. La recette du crime parfait. Et vous lisez quoi en ce moment? La Veuve Noire, pourquoi? Ah. Néanmoins, j'ai relevé un élément curieux. Je suis allé deux fois dans l'atelier et chaque fois le coffre était fermé. Aujourd'hui, il était ouvert et pourtant il contenait les objets de valeur. Mais apparemment, rien n'avait été volé. Pourquoi le coffre était-il ouvert? Mon Dieu! Mon plat qui est au four! Ah, bah finalement, on est jeune. Finalement, je crois qu'on va pas déjeuner. Il n'y était pas. Non, non, je t'en prie, il ne faut pas que tu viennes. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Hein, quoi? Non, non, je m'en occupe. J'ai fait analyser les empreintes digitales qu'on a retrouvées. On n'a aucune concordance. Il nous faut attendre les résultats du labo. Ah, encore le casse-pied. Il ne manquait plus que lui. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Capelliari, si vous venez nous rendre visite sur notre lieu de travail, cela veut sans doute dire que la matinée s'annonce mal. Merci, Meulewald. Et pour que les choses soient claires une fois pour toutes, vous n'obtiendrez aucune information de notre part. Vous avez l'art d'embobiner les gens et en fin de compte, vous réussissez à obtenir des éléments de dossier que vous devriez ignorer. Soyez sans crainte, au contraire. C'est moi qui ai des éléments à vous fournir. Ça peut vous intéresser. Au fait, comment se porte votre estomac? J'ai continuellement des aigreurs. Ah. Vous savez d'où ça vient? Non, 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 c'est parce que vous faites un boulot difficile. Heureusement, vous avez un collaborateur en parfaite santé. Sait-on précisément quand l'incendie s'est déclaré? Vers 21h30. Meulewald. Bien, que vouliez-vous nous raconter? Oui, eh bien voilà. La dernière fois que je me suis rendu dans le magasin d'antiquités, j'ai surpris, sans le vouloir, une étonnante conversation. Mais si vous croyez à la thèse de l'accident, alors c'est sans intérêt. Bien sûr que nous y croyons, en l'absence d'indices qui prouveraient le contraire. Avez-vous découvert à qui appartient ce pick-up sombre qui a été vu sur les lieux? Non. Bon, revenons à cette conversation. Il s'agissait d'une conversation animée entre les époux von Bernheim. En fait, il s'agissait plus d'une dispute et... Madame von Bernheim possède un alibi. Elle était avec sa mère dans sa maison de retraite. Ah. En tout cas, ils parlaient d'un tiers dont ils n'ont pas prononcé le nom et qui leur réclamait une certaine somme. Vous écartez totalement l'hypothèse d'un meurtre? La plaie à la tête peut provenir d'un coup, mais également d'une chute. L'hypothèse n'est donc pas totalement écartée. Mais jusqu'à présent, rien ne nous le prouve. À moins que vous ayez des indices nouveaux à nous proposer. Ah. Eh bien, j'ai entendu dire que cet inconnu réclamait de l'argent pour le dimanche suivant. Oui. Et c'est tout. Eh bien, dimanche, Joseph von Bernheim est mort. Vous voulez dire que le vol était le mobile du meurtre? Oui, mais malheureusement, Madame von Bernheim a déclaré qu'il ne manquait rien. C'est-à-dire que je voulais juste vous faire part de ce que j'avais entendu. À vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Ce n'est pas moi qui mène l'enquête, messieurs. Au revoir. Il nous a encore roulé dans la farine. Bonjour, Madame von Bernheim est bien chez vous? Madame von Bernheim, oui, bien sûr, continuez tout droit, vous la trouverez dans le jardin. Je vous remercie. Je vous en prie. Pardonnez-moi, chère madame, puis-je interrompre votre partie? Je vous pardonne volontiers, je joue plus par ennui que par goût. Permettez-moi de me présenter, Capelliari, professeur Capelliari. Un homme qui connaît les bonnes manières, alors l'après-midi n'est pas gâché. En quoi êtes-vous professeur? J'enseigne la criminologie à l'université de Munich. Ah. J'aurais préféré que vous soyez professeur en médecine.
J'aurais pu m'entretenir avec vous de toutes mes maladies. Avec moi, vous pouvez parler de tout. Ah oui? Il faut faire passer la rouge dans cet arceau. Ah. Quel est l'objet de votre visite? N'est pas pour me draguer. Pardon? Inutile de faire semblant, tous les hommes veulent la même chose. Même au psy, que Dieu le garde. Il pensait toujours à la bagatelle et pas seulement avec moi. Je peux vous assurer solennellement, chère madame, qu'avec moi, vous n'avez aucune crainte à avoir. Dommage. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, voilà, mon père recherche une maison de retraite et ce n'est pas facile de trouver un endroit convenable. Il vous accompagne? Non, je suis venu en éclaireur. Ne me dérange pas, j'ai tout mon temps. Attendez, vous êtes sourd? Je viens juste de vous dire que c'était fermé. Et je vous ai répondu que j'avais tout mon temps. Pourriez-vous me dire où vous voulez en venir? Permettez-moi de vous donner ma carte. Rasputin, Moscou, Munich, Francfort. Votre mari avait des dettes et mon client aimerait récupérer son argent. Des dettes? Comment cela? Combien? Et auprès de qui? Mon mari est décédé. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Vous me semblez être une personne raisonnable. La dette se monte à 300 000 marks. Les affaires financières de mon mari et les miennes étaient strictement séparées. Dans ce cas, s'il s'est endetté auprès de vous, cela ne me concerne absolument pas. Si nous commencions par prendre un verre. Venez, suivez-moi. C'est une excellente idée, madame... Bernheim. Frédéric von Bernheim. Ah, je vous en prie. Merci. Après vous. Non, je connais une madame von Bernheim. Stéphie. Vera. Stéphie. Vera, oui? Von Bernheim, qui tient une boutique d'antiquité. À Ziblar, là où a eu lieu cet affreux accident. Je sais, c'est ma fille. Vera, ah? Von Bernheim. Le soir de l'accident, elle était ici. Oh, le pauvre Joseph. Je sais bien, il ne faut pas dire du mal des morts, mais nous n'avons jamais été très proches, lui et moi, sans parler de ses multiples défauts. C'était un grand joueur qui perdait. Vous savez, je le connaissais à peine. Personne ne le connaissait réellement, même pas ma fille. La période qui a précédé son mariage est un profond mystère. Je pense que, d'un point de vue juridique, il n'y a pas d'équivoque. Adressez-vous à mon avocat, il vous expliquera cela mieux que moi. Je ne pense pas que votre avocat ait l'intention de payer vos dettes. Alors pourquoi m'adresser à lui? Chère madame von Bernheim, peut-être que la demande de mon client va vous paraître immorale. Mais enfin, un incendie de ce genre est également immoral, tout comme un nez cassé, ou que sais-je encore. Mais ça peut arriver. Cela ne vaut pas la peine que nous perdions notre temps avec des considérations morales. La seule chose qui compte, c'est que mon client veuille récupérer son argent. Je vous remercie pour ce merveilleux après-midi. Oh. Venez avec votre père la prochaine fois. Je m'occuperai de lui. Avec plaisir. Oh, c'est une personne délicieuse. Nous l'appelons la reine-mère. Oui, c'est incroyable. Elle est d'une telle gentillesse, elle a une telle énergie et cette manière de régler les problèmes. L'accident, vous êtes au courant? Ah oui, c'est horrible. Je connaissais son gendre et sa fille, naturellement. Elle vient tous les dimanches. Ah, et elle est venue le jour du drame? Oui, bien sûr. Elle vient chaque dimanche. Y a-t-il des heures de visite réglementées ici? Qu'est-ce que vous vous imaginez? Nous ne sommes pas un hôpital. Avec le prix qu'il paie. Donc, on peut venir passer la nuit ici si on veut. Ah, aucun problème. Cela fera plaisir à mon père s'il vient un jour s'installer ici. Il est arrivé que madame von Bernheim passe la nuit ici. Mais dimanche, elle s'est enfuie sans demander son reste. Nous avions une soirée lecture. Ah. Oui, c'est très, très, très bien de promouvoir la culture. Et ça commence à quelle heure? Oh, juste après le dîner. Vers 21h. Ah. Vous m'avez été très utile, chère madame. Oui. Trop jolie. Oh, qu'elle est vulgaire. Celle-ci est trop égoïste. Ah. Bonsoir, papa. Ah, Victor, qu'est-ce que tu fabriques ici? Que veux-tu que je fasse? Je viens te rendre visite. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me fais pas entrer? Ah, excuse-moi, bien sûr, tu peux entrer, Victor. Viens, hein. Faut dire que tes visites sont plutôt rares. Eh bien, voilà, j'aurais besoin de tes lumières. Oui. Tiens, regarde.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film Super 8, ou en tout cas, ce qu'il en reste. Oui, ça, j'ai bien vu, mais ensuite, hein? Tu as toujours ton projecteur Super 8? Oui. Peut-être sera-t-il possible d'identifier une ou deux images, ça m'aiderait beaucoup. Oui, mais ton film est dans un état déplorable. Où l'as-tu trouvé, hein? Je l'ai récupéré dans une remise incendiée. Tu me cherches toujours une épouse? Pardon? Ah non, non, pas du tout. Ce sont des recherches comme ça, d'ordre général. Ah, oui, bien sûr, d'ordre général. Oui. Ce sont les femmes que tu voulais me proposer? Non, non, ce sont celles que j'ai éliminées. Elles étaient trop jeunes et trop jolies pour toi. Elles ne t'auraient apporté que des ennuis. Oui. Il est très endommagé. Comme ta nouvelle affaire, je suppose. Oui. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais chercher le projecteur. Il n'y a même plus de perforation. La barbe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, si tu dirigeais déjà la lumière sur mes mains. Comme ça, ça va? Mon Dieu, qu'est-ce que tu peux être impatient, Victor. Tu es agaçant à la fin. Je ne suis pas impatient. Bon, ça va être encore long. Écoute, tout travail scientifique prend du temps. Tu devrais le savoir en tant que criminologue. Qu'est-ce que tu cherches? Si je le savais. Attends, attends, regarde cette voiture. Ah ben ça alors. Oh, j'ai conduit une voiture de ce genre autrefois. Ça devait être en 1963. Hein? Oui. Oui, c'est ça. En 63. ACFA. Italiano, on dirait un film de vacances. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut en tirer. Je vois. Il n'y a plus qu'à m'en aller. Ah, tu ne viens que lorsque tu as besoin de quelque chose. Ce serait gentil de t'occuper un peu plus de moi. Je n'ai personne d'autre que toi. Ah, tu m'avais promis de m'accompagner pour aller faire une balade en moto, souviens-toi. Dis donc, je croyais que nous étions convenus que tu te débarrasserais de cet engin. Oui, 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 je sais, mais j'aurais bien aimé que tu m'emmènes à l'endroit où ta mère et moi, nous nous étions fiancés. Ah, nous étions si amoureux qu'elle a été immédiatement enceinte de toi. Bon, je t'en prie, papa. Bon, d'accord, on ira faire cette excursion samedi prochain, mais ensuite on se débarrassera de cet engin, que ce soit bien clair. Oui. Au revoir. Oui, oui, c'est ça, sauve-toi, et comme d'habitude, tu me laisses tout ranger. Ah... Madame Van Bernheim. Ah, monsieur Capelliari. Figurez-vous que j'ai fait la connaissance de votre mère par hasard. Ah, vous m'en direz-t-on? Oui, il se trouve que mon père n'est plus très jeune. Il vit seul et je me fais du souci. Et par hasard, je suis tombé sur cette maison de retraite où votre mère est pensionnaire. Ah. $7,97. Tenez, voici votre monnaie, monsieur. Merci. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Au fait, je voulais vous demander, est-ce que par hasard, lorsque vous étiez dans l'atelier, vous n'auriez pas retrouvé un petit film en Super 8? Un film en Super 8? Oui, oui, vous auriez pu l'emporter en pensant qu'il n'avait plus d'importance, mais pour moi, c'est un souvenir de mon mari, tourné dans le sud du Tyrol, d'où il est originaire. Ah, oui, je comprends. Bien. Dans ce cas, il a dû brûler dans l'incendie, on n'y peut rien. Madame Van Bernheim. Oui? Vous sentez-vous menacée? Menacée?
Non, mon Dieu, vous avez de drôles d'idées. La dernière fois que je suis venu vous voir pour échanger le guéridon, j'ai surpris par hasard une conversation. Votre mari disait qu'on lui réclamait de l'argent, qu'il fallait qu'il règle dimanche. C'est ce qu'il disait. Oui, je vois. Ce n'était pas du tout ce que vous croyez. Il s'agissait d'un client qui nous avait confié de la marchandise en dépôt et il voulait qu'on le règle avant qu'on l'ait vendu. Vous voyez le genre. Non, je vous raconte des histoires. Comment vous dire cela? Il semblerait que mon mari se soit attiré quelques ennuis. Il y a quelques jours, j'ai eu la visite de gros bras, des espèces de voyous, et ils voulaient que je leur paye immédiatement les dettes de Joseph. Ah, ce sont les mêmes qui ont dû renverser la statue dans le jardin l'autre jour. Ah oui, vous avez été témoin. Oui, c'était les mêmes. Ils ont même eu l'insolence de me donner leur carte. Rasputin quelque chose, un mot comme encaissement. Mais vous devriez absolument prévenir la police, vous savez. Et il serait préférable que vous ne partiez pas tout de suite. Comment ça? Vous n'avez pas réglé votre essence. Bonjour, papa. Oui, c'est moi, Victor. Comment vas-tu? Non. Non, pas encore. Non, je ne me suis pas occupé de la moto. Non, je t'appelle pour toute autre chose. Papa, pardon? Ne quitte pas, s'il te plaît. Hermine, arrêtez ça. Vous voyez bien que je suis au téléphone. Très bien. Si vous préférez vivre dans la poussière, ça vous regarde. Écoute-moi, papa. Il s'agit du film Super 8. Tout me fait penser qu'il contient un élément très important. Tu ne pourrais pas tenter le coup encore une fois. Il y a peut-être une possibilité d'en tirer quelque chose par un procédé quelconque. Oui, je comprends bien qu'il y aura des frais. Oui, je pense à notre excursion. Il y a du nouveau? Non, pas vraiment. Alors tout va bien. Hermine! Vous pourriez arrêter l'aspirateur, j'aurais besoin de votre aide. C'est au sujet de l'alibi. L'alibi de Madame Vera von Bernheim, je trouve qu'il n'est pas très solide. J'aimerais en savoir plus à son sujet. Et alors, que voulez-vous que je fasse? Elle a joué au tennis aujourd'hui. Et alors? Eh bien, vous feriez cela, vous, quelques jours après la mort de votre mari? Quoi donc? Eh bien, jouer au tennis. Oui, mais je n'ai jamais joué au tennis de ma vie, moi. Bon, passons. J'aimerais savoir dans quel club elle est inscrite. J'ai établi une liste de toutes les associations sportives. Auriez-vous l'amabilité d'appeler un numéro après l'autre? Je suis sûr que vous saurez vous débrouiller. Vous essayez toujours de me mêler à vos affaires. Je n'aime pas faire ce genre de choses. Je ne suis pas celle que vous croyez. Hermine, vous le savez bien. Sans vous, je serais perdue. Oh. Oui, allô, ici, Madame Capelliari. Hermine Capelliari. J'aurais voulu savoir si mon amie... Vera von Bernheim avait réservé un cours pour nous. Vera von Bernheim, vous n'avez rien? Ah bon, je ne comprends pas. Vous dites qu'elle n'est pas membre de votre club? Bonjour. Une bière, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Ami du tennis, si vous voulez prendre un cours avec un professeur de tennis chevronné. Comme ça, on tient le manche fermement et vous frappez. Le coude pointé vers l'adversaire et vous dites fin. Fin? Oui, il faut que votre coude vise l'adversaire comme une arme. Est-ce que votre mari avait un rendez-vous dimanche soir? Non. Votre voisin a témoigné avoir vu une voiture garée dans votre allée. Vers 21h, il s'agissait d'un pick-up de couleur sombre. Non, ça ne me dit rien du tout. Il n'avait pas de rendez-vous, je ne crois pas. Mais il arrivait souvent que des gens passent en fin de semaine, même le dimanche très tard, pour jeter un coup d'œil. À quelle heure avez-vous quitté Garmisch après la visite à votre mère?
Après 22 heures, il y avait une lecture. Monsieur Capelliari a déclaré qu'il avait l'impression que vous étiez menacé, que quelqu'un vous réclamait de l'argent. J'ignore si mon mari a reçu des menaces. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, il est certain qu'il n'a jamais eu beaucoup de chance avec l'argent. Voilà un point intéressant. Qu'entendez-vous par là? Je voulais parler de ses dettes. Des dettes auprès de qui? Récemment, j'ai reçu la visite d'un organisme de recouvrement. Je crois même avoir conservé leur carte. Voilà. Rasputin, Moscou, Munich, Francfort. Je vais vous montrer maintenant quelques bons coups de pied, ok? Ok? Ça vous va? Ça a l'air facile comme ça? Néanmoins, il ne faut rien négliger dans le combat de rue. Mettez-vous dans la tête qu'une Merci. Bonne assise, c'est l'essentiel. Au cours de l'action, une bonne discipline, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Compris? Tout ça, c'est du baratin. Il suffit d'un bon coup de savate dans sa tête. Très bien, si tu cherches des crosses, viens ici que je te donne une leçon. C'est pas un problème, tu me fais pas peur, allez, toi, dégage. Allez, viens, 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 je t'attends. On se calme, s'il te plaît. On fait ça dans les règles. Chac. Ça suffit pour aujourd'hui. Pour vous aussi. Fin de l'entraînement. Mercredi prochain, n'oubliez pas d'apporter du fric. Et je veux que vous soyez tous là. C'est clair? C'est bon. Au revoir. Dites-moi, il ne va pas le laisser comme ça? Oh, il va se débrouiller tout seul. Sers-nous deux jus de pomme, s'il te plaît. C'est un sport violent, non? À moins qu'il en a l'air. Hein? J'ai entendu dire qu'on pouvait s'adresser à vous pour récupérer son argent en cas de difficulté. Ouais, mais à qui ai-je l'honneur? Capelliari, Victor Capelliari. Hein? Rasputin, Moscou, Munich, Francfort. Vous avez frappé à la bonne porte. Hmm. 35% de la somme sont pour moi et mes hommes. Nous ne faisons aucune opération illégale. Et que faites-vous quand les débiteurs ne veulent pas payer? La plupart règlent tout de suite. Notre métier s'apparente beaucoup au théâtre. Des costumes sombres, des lunettes noires, une tête de brute. Qui vous doit de l'argent? Il s'appelle Joseph von Bernheim. Vous n'avez pas de chance, il est mort. Attention. C'est Horst. Salut. J'ai déjà commandé. Merci. Il fait partie de mon équipe. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Mais les pecnos s'y laissent prendre. Bon, vous maîtrisez bien le coup droit. Mais j'aimerais vous montrer une chose. Oui, laquelle? Quand vous avez terminé votre coup droit, je veux voir votre coude. Mon coude? Oui. Vous voyez? Le coude dirigé comme une arme sur l'adversaire. Ah. Eh bien, je vais essayer de m'en souvenir. C'est très facile de s'en souvenir. À la fin de chaque coup droit, vous criez fin. Fin? Oui, fin. 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 Plus fort. Fin. Fin. Regardez la jolie moustache. J'entends rien. Je n'avais rien dit. La raquette est un cadeau de mon père. Une belle pièce. Oui, j'ai toujours eu l'intention d'en acheter une nouvelle, mais... Celle-ci est une antiquité. Vous avez raison. Vous devriez essayer une raquette neuve. Hein? Vous auriez dans une demi-catégorie supérieure. Une demi-catégorie? Vous n'auriez pas une raquette qui pourrait me faire gagner une catégorie entière? La prochaine fois, je vous en apporterai une pour faire un essai, si vous voulez. Bien sûr, quand cela? Eh ben, la semaine prochaine, même heure. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Au fait, je crois que nous avons une connaissance commune. Vera von Bernheim.
Oui, elle vient jouer ici. C'est une femme tout à fait charmante. C'est affreux ce qui est arrivé à son mari. À votre avis, c'était un accident ou bien quelqu'un l'aurait... Vous êtes de la police? Moi? Ah non, pourquoi? D'où vous vient cette idée? Je vais être franc. Je ne pense pas que le tennis vous intéresse. Ce que vous aimez, c'est fouiner. Mais pas du tout, je vous laisse seulement... Tirez-vous. Et que je ne vous revoie plus traîner ici. Je ne tirerai rien de ça. Madame von Bernheim, quelle surprise. Excusez-moi, je sais qu'il est tard, mais puis-je entrer un instant? Je vous en prie. Je suis vraiment dans une situation abominable. Et je ne sais pas comment tout cela va finir. Vous venez de traverser une épreuve terrible. Si la police venait à l'apprendre... Alors, je risquerais d'être inculpée. Ils me mettront sur le dos le meurtre de Joseph. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai menti l'autre jour à la police. J'ai quitté ma mère bien avant 21h, juste après le dîner. Ah. Et vous? Où étiez-vous? À l'heure du drame? J'étais... chez mon ami. Chez Douchko, le professeur de tennis. Vous le connaissez, je crois. Si votre ami est prêt à confirmer vos dires, vous possédez un alibi. Vous devez aller le dire à la police. Ce n'est certes pas agréable, mais c'est sans risque pour vous. De toute façon, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un accident. Merci. Est-ce que votre mari était au courant de votre liaison? Non. Avait-il des ennemis dans sa vie passée? Vous m'avez dit qu'il était originaire du sud du Tyrol, c'est ça? Oui, c'est cela, d'Altenburg. Mais il était extrêmement discret sur son existence passée, de toute façon. Est-ce qu'il aurait eu des ennemis? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas d'amis. Je ne lui en connaissais aucun. Il faut toujours que vous me dérangiez au plus mauvais moment. Chaque fois que vous m'empruntez mon vélo, je le retrouve endommagé. Vous ne l'arrangerez pas à coup de marteau. Bah, attendez, laissez-moi faire. Tenez. Pourtant, à cette heure-ci, vous ne vous entraînez jamais à diriger. Là n'est pas la question. C'est cette affaire Bernheim. Elle me trotte sans cesse dans la tête.
La seule personne qui possédait un mobile, Vera von Bernheim, a désormais un alibi. Elle était chez son professeur de tennis. Quant aux recouvreurs de dettes, je les exclus instinctivement, ils ne sont pas méchants. Pourtant, la thèse de l'accident, je n'y crois pas une seconde. Peut-être que le professeur de tennis et Madame Bernheim sont complices. Ça ne m'étonnerait pas de sa part. Vous avez vérifié ses dires ? Non. Et en ce qui concerne votre instinct à l'égard de cette bande de voyous, on ne peut pas s'y fier. Croyez-en ma longue expérience. Bon, reprenons depuis le début. Donc ce fameux dimanche soir, vous avez rendu visite à votre mère. C'est cela. Et ensuite, vous vous êtes rendu chez Dushko Krajinovitch. Oui, monsieur le commissaire. Quelle heure était-il ? Environ 9h moins le quart. Comment pouvez-vous être aussi précis ? Oh, je voulais voir Karate Joe à la télé, c'est une série. Je suis allé chercher une bière quand on a sonné à la porte. Et nous avons regardé le feuilleton de la télé ensemble. Quel type de relation vous entreteniez avec monsieur Krajinovitch ? Disons, des relations intimes. C'est mon amant. Je vois. Ça peut même se passer pendant un feuilleton. Vous savez, il y a un divan dans mon loft. Je ne vous en demande pas tant. À quelle heure Madame von Bernheim est-elle partie ? Quand ça s'est terminé ? Le feuilleton, bien sûr. Voilà, vous savez tout. Pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité tout de suite ? J'avais peur que vous me considériez comme une suspecte. Suspecte ? Suspecte de quoi ? Mais d'avoir tué moi-même mon mari, bien sûr. Parce que vous doutez qu'il puisse s'agir d'un accident ? Quand je fais un coup droit, ça va dans le filet. Vous portez le coup jusqu'au bout. Votre coude doit se retrouver vers l'adversaire. Attendez, je vais vous montrer. Coup droit. Voilà. Et si vous dites fin à chaque coup, vous y arriverez rapidement. Je pourrais savoir ce que vous fabriquez ? Ah, vous êtes là, j'ai commencé à désespérer. Allez, venez entrer. Je n'ai plus beaucoup de temps. Bien. C'est-à-dire que... Mettez-vous ici, un instant. Oui. Super. Ça ira, la lumière est bonne. Qu'attendez-vous ? Déshabillez-vous ? Pardon ? Il faut vous déshabiller. Attendez, généralement, quand on paie un modèle, c'est pour faire du nu. D'où sortez-vous ? Je regrette, mais je crois qu'il y a un petit malentendu. Vous voulez que je vous paie d'avance ? Non, il ne s'agit pas d'argent. Je ne suis pas votre modèle. Ah bon ? Que faisiez-vous devant l'entrée ? Eh bien, j'étais à la recherche de Dushko, le professeur de tennis. Vous vouliez voir Dushko ? Je vous avais pris pour mon modèle, mais je crois qu'il s'est désisté. Non, c'est drôle. Je suis navrée. Il n'y a pas de mal. Asseyez-vous en attendant que Dushko revienne. Je vais vous préparer un café. Merci. Vous le connaissez bien ? Oui. D'ailleurs, je pourrais vous en raconter des vertes et des pas mûres à son sujet. Je le connais sous toutes les coutures. Sans indiscrétion, vous êtes sa petite amie ? Je l'étais. Mais... pendant que je vous raconte tout ça, vous pourriez peut-être me servir de modèle ? N'ayez crainte, je vous rémunérerai. Tout ça, on le doit à ton fameux Capelliari. Il met son nez partout, celui-là. Mais non, arrête ton délire, c'est moi qui suis allée à la police. Quoi ? Et qu'est-ce qui t'a pris ? Est-ce que nous avons fait quelque chose de criminel ? On était ensemble, où est le problème ? Bah alors pourquoi il est venu m'espionner sur mon lieu de travail ? Si jamais je le revois, je lui en colle une. Quel caïd. Bel appartement. C'est grand. Le loyer doit être cher. On peut le dire. Puis-je vous demander comment vous le payez, et surtout Dushko ? Je vis au crochet de mon père. C'est lui qui m'entretient. Il n'a pas de temps à me consacrer, alors il paie. Quant à Dushko, il donne pas mal de leçons. Il espère un jour avoir sa propre école de tennis. Ah, il veut ouvrir une école de tennis. Eh bien, il va lui en falloir de l'argent. Il a une riche amie qui est prête à le financer. Vera von Bernheim. Oui, elle aussi. Vous savez, Dushko est un véritable coureur de jupons. Moi aussi, je suis tombée dans le panneau.
Oui, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je suis guérie. Je déménage le mois prochain. Il pourra alors recevoir cette dame ici en toute tranquillité. Ça durera sans doute jusqu'à ce que son projet soit financé. Ensuite, il la larguera. Ah. En général, ça ne traîne pas avec lui. Mais dimanche, il était vraiment furieux après elle. Elle est arrivée comme une fleur, sans prévenir, alors que Karate Joe allait commencer à la télévision. Mais finalement, ça ne les a pas empêchés de coucher ensemble. C'est tout lui, ça, un véritable obsédé sexuel. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien... Vous pouvez baisser les bras. Alors, qu'est-ce que tu fabriques? Voilà, j'arrive. Je ne sais pas si tu vas pouvoir faire démarrer cet engin. Si seulement il ne démarrait pas. Hein? Non, rien. Où m'amènes-tu, au fait? Eh bien, on va d'abord au Blauspitz, selon tes souhaits, voir l'endroit où tu as séduit ma pauvre maman. Ensuite, on va prendre le thé à Garmisch. Pourquoi faire? Nous avons rendez-vous avec une charmante vieille dame, Frédérique von Bernheim. Elle habite dans une luxueuse maison de retraite. Elle est impatiente de faire ta connaissance. J'espère que tu te conduiras bien. Si c'est une tentative détournée pour me faire entrer dans une maison de retraite, je descends tout de suite. Ah. Non, non, rassure-toi. Elle ne veut pas démarrer. Tu veux peut-être essayer de me marier, c'est ça? Et pourquoi pas? Je ne ferai que te rendre la monnaie de ta pièce. Pourquoi pas, en effet? Je suis curieux de savoir à quoi ressemble cette dame. Hein? Je suis venu ici en moto pour la première fois, juste après avoir fait la connaissance de ta mère. Elle avait une peur bleue dans le sidecar, mais c'est seulement après qu'elle me l'a avoué, tu sais. Tu devais rouler beaucoup trop vite, comme d'habitude. Regarde, c'est tout là-haut que je lui ai fait ma demande en mariage. Et elle t'a dit oui, tout de suite? Qu'est-ce que tu crois? Déjà à l'époque, j'étais irrésistible. Valentino! Tâche de la cuisiner un peu si tu y arrives. Elle ne portait pas particulièrement son gendre dans son cœur. Je vous laisserai en tête à tête. Tu peux me faire confiance, je vais m'occuper de ta poulette. Ah, Madame von Bernheim. Permettez-moi de vous présenter mon père, le docteur Capelliari. Ah. Madame von Bernheim. Est-ce que vous êtes docteur en médecine? Oui, j'ai une formation de pathologiste. À mon âge, un pathologiste m'est plus utile qu'un pédiatre, c'est déjà ça. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Il faut que je m'absente un petit moment. Je serai de retour dans une heure, madame. Est-ce que je peux vous proposer un verre? Un verre de quoi? De whisky pur malt. Pas aussi vieux que nous, mais consommable. Faites vos jeux. Sainte Marc sur le 1. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Le 17 noir, impair et manque. Monsieur Capelliari, monsieur Lothermoser vous attend. Ah, merci. En réalité, je serais volontiers restée chez ma fille, cela va de soi, mais mon gendre et moi, nous n'avions rien à nous dire. C'est pourquoi je me suis installée ici. Il y a des endroits pires. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre, monsieur Capelliari. Joseph von Bernheim était un habitué. Il venait tous les dimanches. C'était un joueur raisonnable. Ce n'était pas un flambeur qui risquait tout. Mon fils n'est malheureusement pas marié, mais ma mère disait toujours qu'il fallait mettre une porte blindée entre soi et ses beaux-parents. J'essaie depuis longtemps de lui trouver une épouse. Est-ce qu'il venait toujours seul? Oh oui. Il me paraissait assez introverti. Je dirais même misanthrope. D'ailleurs... Oui, vous alliez dire... Un jour, il y a eu un petit incident. Ah, un petit incident. Ici. Son vrai nom, c'est Andolzer. Il est originaire du sud du Tyrol et il a pris le nom de ma fille. Enfin, vous voyez le genre. Non, mais où allons-nous? Un homme qui prend le nom de sa femme, c'est le monde à l'envers. Oui. Un client que je n'avais jamais vu s'est installé à la table de von Bernheim et il voulait absolument qu'il cesse de jouer. Il a même essayé de l'en empêcher en employant la force. Ah. Et ça s'est produit quand? Dimanche, il y a quatre... Non, cinq semaines. Il y a quelque chose qui clochait chez lui. Il vivait retiré de tout et des autres, comme si... comme s'il avait peur de quelque chose. Peur, dites-vous? Peur de quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Vous vous souvenez de cet individu? À quoi il ressemblait? Ce n'était pas une sorte de joueur de tennis, un grand brun pour garçon environ la trentaine? Non, non, non. Plutôt quelqu'un de votre âge. Ah.
D'ailleurs, ils se ressemblaient assez physiquement, comme des frères. La même taille, l'accent tyrolien. L'accent tyrolien? Il a même encore un frère là-bas, mais figurez-vous que je ne l'ai jamais rencontré. Là, on organise tous les matins une séance de gymnastique pour ceux qui en ont besoin. Le pauvre von Bernheim n'aura pas eu l'occasion de profiter de ses gains. Comment ça, quel gain? Je ne devrais pas vous le dire, mais... il y a 15 jours, von Bernheim est parti d'ici avec quelques 300 000 marques en poche. Eh bien, je crois que ça s'annonce mal pour ton école de tennis. Il y a un hic. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'assurance de ton mari qui ne veut pas payer? Si, si, ils vont payer, c'est pas ça. C'est autre chose. Je crains d'avoir un problème. On me fait chanter. Ça ne date pas d'hier. En réalité, ça fait quelques années que ce type nous poursuit. Et dernièrement, Joseph a refusé de le payer. Et alors? Quoi? Il l'a tué? Il faut que tu le dises à la police. J'ai trop peur. Je suis la prochaine sur la liste. Tu le connais? Il s'appelle Defrager, Karl Defrager. C'est un ancien ami de mon mari. Je vais le tuer. Tu es sérieux? C'est peut-être la seule et unique solution. Beaucoup de gens s'imaginent être de fins psychologues parce qu'ils pensent pouvoir faire confiance à leur instinct. Mais un bon psychologue n'est pas forcément un bon enquêteur. Un bon enquêteur ne se fonde que sur des faits, sur des preuves concrètes, jamais sur des impressions. Ah, vous tombez très bien, messieurs. S'il vous plaît, pourriez-vous rester un instant où vous êtes? Je suppose que personne dans cet amphithéâtre ne connaît ces deux messieurs ou sait quelque chose à leur sujet. Peut-on, selon vous, au premier coup d'œil, déterminer la profession de ces messieurs? Avons-nous affaire à des représentants ou à des cambrioleurs? À des fonctionnaires ou à des chômeurs? Nous protègent-ils ou au contraire peuvent-ils nous menacer? Ou bien sont-ils des auditeurs libres qui arrivent un peu en retard pour le cours? Votre avis? Monsieur Capelliari, pourrions-nous vous dire un mot? Dehors. J'arrive tout de suite. Un soi-disant psychologue porterait immédiatement un jugement sur ces messieurs, alors qu'un enquêteur procéderait d'abord à des vérifications avant d'en arriver à des conclusions définitives. Le qualificatif qui convient à ce champ d'études serait... l'illusion des compétences. Ces messieurs sont de la brigade criminelle, des enquêteurs professionnels. Veuillez m'excuser.
combien de fois vous ai-je déjà répété que c'est nous qui menons l'enquête et pas vous? Oh, assez souvent. Et malgré tout, vous persistez à vous mêler de nos affaires. Vous comprenez, j'ai vraiment du mal à croire qu'il s'agisse d'un accident. Nous non plus, on n'y croit pas. Ah. Comme vous pouvez le constater, nous aussi, nous vérifions les indices, et comme vous pouvez l'imaginer, le fait d'entendre que quelqu'un nous a devancé et a déjà posé les mêmes questions, cela ne facilite pas notre enquête, surtout quand ce quelqu'un s'appelle Capelliari. J'en suis vraiment navré. Eh bien, peut-être est-ce là une occasion rêvée d'accorder nos violons. Où en êtes-vous dans votre enquête? Nous vérifions l'alibi de Madame Frédéric von Bernheim. Meulewald, ne lui fournissez aucune information. L'alibi de Madame von Bernheim? Vous parlez de la vieille dame? Bon, voyons. Franchement, vous perdez votre temps. Qu'en savez-vous? Vous ignorez sans doute qu'elle a quitté la salle avant la fin de la lecture. Et tout le monde à la maison de retraite savait qu'elle détestait son gendre. Je vous avertis. Si cela se renouvelle, je vous inculpe pour obstruction à une enquête policière. Bon, nous en reparlerons, mais pour l'instant, je dois retourner auprès de mes étudiants. Mais pour la vieille dame, je vous assure, vous faites entièrement fausse route. Vous avez compris cette histoire d'illusion de compétence? Évidemment. Ah bon? Ah, Madame von Bernheim. Ah, Monsieur Capelliari. Vous roulez avec une antiquité. Si un jour vous décidez de vous en acheter un neuf, je peux vous le racheter. Attention, je peux vous prendre au mot. Vous êtes au courant, la police n'est plus du tout persuadée qu'il s'agit d'un accident. Ah bon? Ce serait quoi, à votre avis? Ce serait un meurtre? Oui, vous vous rendez compte? Même votre pauvre mère devra justifier de son emploi du temps le soir du drame. Ils soupçonnent ma mère, mais ils sont tombés sur la tête. C'est vrai, là, ils exagèrent, mais il pourrait s'agir d'un crime crapuleux. On a pu tuer votre mari pour le voler. Est-ce que vous saviez qu'il avait gagné 300 000 marques au casino? Comment? Quand cela? Eh bien, un dimanche, il y a 4 ou 5 semaines, donc vous n'étiez pas au courant. Non. C'est peut-être pour cela que le coffre était ouvert. Bon, ben, ça n'a aucune importance, il faut que j'y aille. À bientôt. Au revoir. Monsieur Capelliari! Monsieur Capelliari, votre père! Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, il a téléphoné. Il faut que vous alliez le voir. Il a trouvé quelque chose. Ah. Vous finirez peut-être un jour par vous acheter un vélo. Pourquoi? Le vôtre fait très bien l'affaire. Oui, je pense qu'on a réussi. J'arrive après-demain. Oui, sois prudent. Tu sais de quoi il s'agit? J'ai réussi à réparer la bande de perforation qui était endommagée. Je suis curieux de voir ça. Un attentat à la voiture piégée. Maintenant, il te reste à savoir quand et où ça s'est passé. Je crois savoir où commencer l'investigation. Ah bon? Et où ça? Dans le sud du Tyrol. Ah. Et si tu veux savoir, j'ai rendez-vous avec Madame Frédéric von Bernheim à 5 heures pour prendre le thé. Je vois. Tu as déjà envie de la séduire, elle aussi? C'est intelligent, ce que tu viens de dire. Profite de l'occasion pour lui demander où elle se trouvait pendant la séance de lecture le soir du drame. Je n'ai rien trouvé d'autre. Merci. Explosion à Altenburg. Karl Defreger, enfin arrêté. Le facteur de Bozen meurt des suites de ses blessures. Ah.
Excusez-moi, où pourrais-je trouver monsieur le curé? Bonjour. Bonjour. Allez voir de ce côté, il est dehors. Merci. Oui, il est fils en Tolzer, de sacré petit schnappan. Ils se bagarraient tout le temps. Je m'en souviens bien, je les ai eus tous les deux au catéchisme. Ils n'étaient pas commodes, et moi, à l'époque, j'étais encore tout jeune vicaire. En fait, je devrais dire tous les trois, parce que le jeune Defregger était toujours avec eux. Defregger. S'agit-il de Karl Defregger, qui a fait de la prison par la suite? Tout à fait, c'était lui le plus extrémiste. Il a même posé des bombes qui ont fait des victimes. Ça a été une période affreuse pour tout le monde, une horreur. Mon Dieu, c'était terrible. Des familles entières ont été entraînées dans le malheur. Il y a eu des morts. Joseph et Karl étaient vraiment de très bons amis. Ils étaient très liés. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. À l'époque, ils avaient rejoint un groupe terroriste. Ils vivaient dans la clandestinité. Et ils menaient une véritable guerre. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez aller voir la vieille Madame Defregger, la mère de Karl. Elle habite là-bas, tout là-haut dans le village. Et il y a aussi le frère de Joseph qui possède une entreprise qui vend du matériel de construction qui se trouve en ville. Je vous remercie. Vous m'avez été d'un très grand secours. Alors, comment sera le vin cette année? Oh, pas mal, si Dieu veut. Et si on a aussi le soleil de notre côté, je crois qu'on peut s'attendre à un bon cru. Je sais exactement où se cache Defregger. Bien. Je prends mes affaires. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes Madame Defregger? Oui. C'est bien moi. Est-ce que votre fils Karl est là? J'aimerais lui parler. Je ne sais pas où il est. Je suis sans nouvelles de lui. J'espère qu'il ne lui est pas arrivé malheur. D'habitude, il me dit toujours où il va. Vous savez, ça me fait bien du souci pour lui. Quel genre de voiture a-t-il, votre fils? Une camionnette de couleur bleu marine. Ah, un pick-up? Oui, c'est ça. J'ai entendu dire que votre fils Karl était très ami avec Joseph Antolzer. C'est exact. Mon Karl et Joseph, ils ont toujours été inséparables. Ils étaient comme deux frères. Jusqu'au drame de Bozen, et là, leur relation a changé. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es procuré cette arme? C'est le fusil de chasse de Joseph. Je ne sais pas si je pourrais. Quoi? Tu es un homme. Je ne sais pas si je pourrais. Mais enfin, il s'agit d'un maître chanteur, d'un meurtrier, d'un terroriste qui a déjà tué des innocents. C'est pas une raison. Bien, si tu ne t'en sens pas capable, tu peux descendre tout de suite et dire adieu à ton école de tennis. Apparemment, tu te fiches complètement de ce qui peut m'arriver. Ils en ont fait des choses pour l'indépendance, jusqu'à risquer leur vie. Et ils ont aussi tué des pauvres innocents. Ce brave facteur juste devant le bureau de poste, et cet agent de police, et ces malheureux enfants. Qu'est-ce qu'ils y pouvaient, eux, au fait que cette partie du Tyrol soit devenue italienne, hein? Ils sont restés cachés des semaines à Beaumont, juste après les attentats. Quand la police a enfin réussi à mettre la main sur mon Karl, il pesait plus que 55 kilos, la peau sur les os. Est-ce que c'est à cette époque-là que Joseph Antolzer a disparu? Oui. Et c'est mon Karl qui a été condamné pour les deux. Il a passé 6 longues années dans une prison en Sicile. Il n'a jamais cherché à trahir Joseph. Il a bien eu tort. Parce que le Joseph, il l'a laissé tomber. Il a filé, on ne l'a plus jamais revu. Madame Defregger, vous ne m'avez pas demandé pourquoi je vous posais toutes ces questions. Je ne demande plus rien à personne. Thank you.
Bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où se trouve le magasin de matériel de construction Antolzer? Bien sûr, vous allez par là, tout droit. Oui. Et une fois au carrefour, vous prenez sur la droite. Vous continuez sur 200 ou 300 mètres. Vous arrivez à un passage souterrain. Et en ressortant sur votre gauche, vous apercevrez une enseigne avec marqué dessus « matériel de construction ». Excusez-moi, monsieur, vous ne vous sentez pas bien? Dites donc, ça va pas? Non, non, ça va, je vais très bien. Excusez-moi, je voudrais parler à monsieur Antolzer. Vous le trouverez dans son bureau. Merci. Oui, j'étais un très bon client de votre frère, vous savez. C'est affreux ce qui lui est arrivé. La police est persuadée qu'il s'agit d'un accident, mais moi... Et vous, qu'en pensez-vous? Comment m'avez-vous trouvé? Votre frère m'a beaucoup parlé de vous. C'est curieux. C'était pas son genre. Joseph était très secret. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Oh. Ça doit bien remonter à une douzaine d'années. Mais ce qui me surprend vraiment, c'est qu'il vous ait dit qu'il s'appelait Antolzer. Ah, il était psychologue, c'est tout. Mais je vous ennuie avec mes histoires. C'est une belle affaire que vous possédez là, monsieur Antolzer. Ah, à propos, quand êtes-vous allé pour la dernière fois au casino? Moi, au casino? Je n'ai pas de temps à perdre à de pareilles sottises. Je ne suis pas du genre à jeter l'argent par les fenêtres. C'est très raisonnable, monsieur Antolzer. Est-ce que vous connaissez un lieu qui s'appelle Boymont? Vous parlez du château en ruine. Ah, c'est une ruine. Et comment y va-t-on? Vous prenez la direction des Pranes et arrivez à Saint-Paul, vous prenez à droite, vous trouverez. Ah, je vous remercie. De rien. Thank you.
cacher là-haut. Dissimule-toi là derrière. Je le fais sortir de sa cachette et toi tu tires. Je tiens. Je ne conduis pas souvent un tracteur. Et surtout, n'oubliez pas de prévenir la police. C'est ça, un gars de la ville. Rien à voir dans cette histoire. Laisse ma mère hors de cette affaire. Tu as prétendu que tu allais lui rendre visite. Et finalement, tu as passé la nuit là-bas ou quoi? Attention, je ne plaisante pas. Tu es en train de jouer un jeu dangereux, c'est moi qui te le dis. Si ça se reproduit, tu sais très bien de quoi je suis capable, tu me connais. Non, je ne te connais pas, je ne te connais plus. Et puis, je veux plus en parler. Pour l'instant, je passe l'éponge, mais je n'aime pas passer pour un crétin. Tu n'as pas respecté notre accord, tu devais venir plus tôt. Oui, mais c'était impossible. La police m'a interrogé sans répit. Comment voulais-tu que je disparaisse comme ça? Tu me racontes des histoires, je ne te crois pas. Tu étais encore avec ton professeur de tennis. Rassure-toi, tu n'as rien à craindre. Mais c'est qui essaie de rouler l'autre? Qui a gagné les 300 000 marques? C'est moi ou c'est toi? Et c'est moi qui te l'ai caché ou c'est toi? C'est sans doute pour cela que tu as oublié ce maudit film Super 8 dans le coffre, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Van Bernem? Ah, ressuscité d'entre les morts. Ou préférez-vous que je vous appelle Monsieur Antholzer? Vous avez raison, votre femme vous trompe avec Dushko. Et cela sans se cacher, car, pardonnez-moi, dans une certaine mesure, vous êtes officiellement décédé. Espèce de sale menteur. Joseph, il ne faut pas le croire. Peut-être cela vous intéressera-t-il de savoir que votre femme a raconté à Dushko que Defreger se cachait ici, dans cette ruine? Et en ce moment, Dushko se tient là, dehors, avec une arme. Et vous attend. Il est complètement fou, ce type. Pourquoi je ferais une chose pareille? Moi aussi, très franchement, j'aimerais le savoir. Vous avez tous perdu la tête. C'est l'altitude qui vous rend malade. Mais enfin, ressaisis-toi. Menteuse. Tu avais dit que ton aventure avec ton professeur de tennis était terminée. Mais c'est le cas. C'est le cas, il faut me croire, Joseph. Vraiment? Alors, tu peux sortir d'ici. Il ne t'arrivera rien, n'est-ce pas? J'en ai assez de jouer à cette éternelle partie de cache-cache avec toi. Uniquement parce que monsieur a peur d'être reconnu. Mais pour aller jouer à la roulette, ça tu peux. Là, tu n'as pas peur d'être reconnu par la police. Je pense qu'il est plus raisonnable de sortir par derrière. Vous ne vous mêlez pas de ça. Oh. Non. Vera, non. Pourquoi tu n'avances pas, hein? Va voir ton Dushko. Non. Ah, Dushko, ne tire pas, c'est moi. Autrefois, c'était un terroriste qui sévissait dans la région au début des années 60. Son nom, c'est Von Bernheim. Von? Bernheim, mais Bernheim. Il s'appelle Antholzer Joseph. Antholzer oui, Joseph? Oui, c'est ce monsieur. Il avait deux noms? Il s'est marié en Allemagne et il a pris le nom vous de sa savez, femme. Vous savez, enfin, je me sens soulagé. Pendant des années, j'ai eu peur d'être découvert. Cette peur a maintenant disparu. J'imagine que Defreger vous faisait chanter à cause de l'attentat à la voiture piégée.
Il y avait trois petites filles. Il était trop tard pour empêcher l'explosion. Je pensais pouvoir oublier cet instant, mais il me hantait sans cesse. Le passé a fini par me rattraper. Il voulait que je le paie pour les 6 ans passés en prison. Et pourquoi vouliez-vous faire croire que vous étiez mort? Je me débarrassais ainsi de tous mes créanciers. Et puis j'avais gagné au casino. Et il y avait l'assurance vie. Je reprenais ainsi une nouvelle identité. Qu'est-ce que je pouvais souhaiter de plus? Joyeux anniversaire! Merci. Ah, ne s'éteigne pas, c'est malin. Oh, vous allez voir. Vous allez voir. Tchac, 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 tchac. La dernière. J'ai l'impression de retourner en enfance à chaque fois que je reçois des cadeaux. Et pourtant, on ne peut pas dire que j'ai encore 10 ans. Vous êtes encore très jeune. En fait, j'aurais dû m'en rendre compte dès le début. Je suis un imbécile. À cause de l'alliance. Vera von Bernheim a identifié son mari grâce à son alliance. Et c'était impossible. Ah. Je savais qu'il n'en portait pas. Je l'avais remarqué lorsqu'il soudait dans l'atelier. Ah. C'est pourquoi personne n'a eu l'idée de vérifier l'empreinte de sa mâchoire. Ah. Vous pourriez changer de refrain. Ah, c'est tout à fait charmant. Oui, c'est tout là-haut que j'ai demandé à ma femme si elle voulait m'épouser. C'est pour ça, j'étais au courant. Ah. Voilà, papa. C'est pour toi. Au fait, tu voulais savoir où se trouvait Frédéric von Bernheim pendant cette fameuse séance de lecture. Oui. Eh bien, figure-toi qu'il y a un feuilleton qu'elle adore et qu'elle ne veut rater à aucun prix. Karaté Joe. Et d'habitude, elle programme l'enregistrement et elle est obligée de le voir en cachette. Mais ce soir-là, elle a craqué et elle a pu se livrer à son plaisir sans retenue. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un Canterbury. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il ne te convient pas, c'est ça? Ah non, 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 je le trouve très bien seulement. J'aurais préféré un de ces guéridons. Tu sais, ces plateaux sur un trépied. Mmh.